Cette semaine, on s'attaque au gros morceau scientifique de l'étape. La goélette prend une semaine de pause où elle met les voiles de côté pour dériver quelques jours. Et tout ça pour la science. Dans la brume. Après avoir échantillonné sur des zones bien précises la semaine dernière, cette semaine, c'est bien différent. On va suivre la même masse d'eau pendant 5 ou 6 jours où le bateau va se laisser dériver. On cherche à suivre nos micro-algues et les traquer pendant plus d'une semaine. Un challenge de taille pour nos scientifiques. Tous les jours, en fait, c'est un autre scientifique qui monte en haut du mât, qui repère un peu la zone. Et c'est super, en fait, de savoir qu'on est capable de faire comme les images satellites, en fait. Elle, c'est Flora. C'est la chef scientifique à bord du bateau. Et si elle est montée en haut du mât, c'était juste pour la photo. Le matos surdimensionné. À pêcher, là, c'est Michel. C'est le seul à bord spécialisé dans les aérosols, ces particules qui se trouvent à la fois dans l'air et à la surface de l'eau. Il collecte aussi des données en haut du mât. Morgane, c'est notre biologiste moléculaire. Tout droit venue de Roscoff, elle passe ses journées entre le pont et le labo. Guillaume, lui, gère un bon nombre d'instruments à bord. Ingénieur spécialisé en optique et satellite, il met au point un certain nombre de cartes qui nous permettent de chasser nos micro-algues. Et enfin, Connie, notre chimiste du bord, et Ricardo, notre scientifique argentin de la zone, qui est en quelque sorte notre guide local sur l'étape. The life is wonderful, comfortable, it's friendly, it's okay. La première étape consiste à trouver une zone intéressante pour commencer notre chasse, et c'est là le plus difficile. On doit sans cesse faire des compromis avec la météo, qui ne nous permet pas toujours d'échantillonner. Because wind is coming Saturday. And we cannot sample with the wind? Maybe too strong. Une fois cette zone trouvée, on dépose dans l'eau des bouées munies d'un signal GPS qui dériveront avec la masse d'eau. Vu que nous, on dérive avec le vent, même sans nos voiles, on cherche à se replacer pour échantillonner toujours la même masse d'eau. Là, on est à 21 mètres. Le premier jour, les résultats étaient plus que positifs. Mais les jours suivants, plus de traces de nos cocos. Les coccolithophores gagnent la bataille, mais les scientifiques sont de plus en plus motivés à relancer la partie. Moi je pense qu'il faut la faire, ça nous fera un contrôle négatif. Ce soir on fera un conseil de crise. Hier c'était pas trop mal et là aujourd'hui ça a un peu diminué. Est-ce qu'on est en train de voir la fin du bloom, ce qui serait super? Ou est-ce qu'on est un peu juste sorti de la masse d'eau et du coup, entre guillemets, on est un peu à côté de la plaque, quoi. So there are several options, right? Either we've been following a bloom that is ending, maybe we are a bit too west. Cette nuit, je vais analyser les données du lab qui mesure en continu l'eau de surface. On va essayer de chercher un endroit où le bloom est plus important. Et si on trouve un endroit intéressant, je vais réveiller Flora. Il est 2h30 du matin, mais on a pris la décision hier d'essayer d'aller un peu plus à l'est et de faire une sorte de prospection. Et c'est super parce qu'on trouve des concentrations assez élevées. And what was it today? During your sampling station? Les jours suivants, c'est le jackpot. Des coccolithophores en abondance et une météo parfaite pour échantillonner. C'était pas forcément prévu que ça se passe comme ça. C'est pour le coup, hier, c'était vraiment la chasse. Water color changes from dark blue to more milky. You can see it by eye that they are happy and that they are around. It was a good idea to change our location. Bon, on vient d'arriver dans les 40e depuis quelques jours. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vent. 40e, rugissant, on va dire.